elle n'en finit pas de faire parler d'elle, la petite Thérèse. On pourrait dire que c'est une superstar de l'Église catholique, alors que apparemment elle n'a rien fait. Une citation de la correspondance de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, lettre 145 dans sa correspondance générale. Jésus est un trésor caché, un bien inestimable que peu d'âmes savent trouver, car il est caché et le monde aime ce qui brille. Cette citation nous dit finalement beaucoup sur la spiritualité de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, qui est une spiritualité de carmélite. Or, la carmélite, on ne la voit pas. Elle est cachée aux yeux du monde. Et finalement, elle se cache pour trouver le trésor caché. Hein. Caché où? Eh bien, au-dedans de nous-mêmes, si nous savons l'accueillir. Hein, dans la foi, toujours. Hein. Et c'est là la grande intuition, finalement, de la vie contemplative. Hein, on se demande toujours pourquoi y a-t-il des âmes, des femmes notamment, qui s'enferment dans des cloîtres, quelquefois derrière des grilles, comme certaines carmélites, en tout cas qui s'enferment dans leur monastère, alors qu'il y a tellement de travail apostolique à réaliser dans le monde. Elle est restée dans ce cloître obscur d'un Carmel de Normandie. Donc la petite Thérèse est tout à fait l'incarnation de cette vie contemplative, cachée, qui nous dit que tout ce qui brille n'est pas or, hein, et que tout ce qui, aux yeux du monde, brille, finalement, est de l'ordre de l'éphémère, et peut-être, voire même de l'inutile. Ce qui importe, c'est de découvrir, caché au fond de notre âme, le Seigneur, le Christ Seigneur, hein, qui nous y attend, hein, que nous pouvons accueillir dans la foi, comme toutes les personnes de l'Évangile l'accueillent, hein, on le voit, et comme Jésus se rend disponible et ouvert à toute personne qui a besoin de lui. Eh bien voilà, c'est cela le trésor de la foi et le trésor aussi d'une vie religieuse contemplative, de découvrir que l'amour est la vocation principale du chrétien et que cet amour, on peut le vivre n'importe où. Quel bonheur extrême, j'ai dit un éternel adieu, élevé plus haut que moi-même, je n'ai d'autre appui que mon Dieu, et maintenant je le proclame ce que j'estime près de lui.